Let's go, pal. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la plateforme sur l'épisode de Fallout 4. Donc les radiations ont transformé le scorpion empereur en dangereux rat scorpion, l'un des prédateurs les plus féroces des terres désolées. Attention à ses pinces et à son dard empoisonné. Le modèle médecin du protectron est conçu pour utiliser ses mains comme défibrillateur. En combat, il peut utiliser cette aptitude pour infliger des décharges électriques. Intéressant. Intéressant. Donc j'aime servir de cet épisode comme d'un test aussi. Quelqu'un approche. À l'avenir, évitez de nous sous-estimer. Comme d'un test, disais-je donc. Pour savoir si je peux tourner tout en uploadant mes vidéos. Hop. Alors certains m'ont donné des... Je l'entends mais je ne le vois pas. Je l'ai vu. Hop. Donc oui, pour savoir si je peux tourner mes vidéos en même temps que j'en upload d'autres via mon navigateur. Hop. Dernière fois j'ai eu quelques lags, ou l'avant-dernière fois, je ne sais plus, j'ai eu quelques lags dans le jeu, du coup, enfin je me sens que c'était parce que c'était, il y avait des frappes qui s'est lancées en fait en même temps, qui a donc bouffé un bon paquet de ressources. Ah, il ne me voit pas parce que le mode en fait, que j'utilise pour la nuit, rend les choses aussi un peu plus réalistes au niveau de ce... du principe de détection, simplement. J'ai cru le voir, l'espace d'un instant. Est-ce que je peux passer dans la roche de... Il est là. D'accord. C'est là qu'on se rend compte que la vie nocturne n'était peut-être pas si mal. Ok, ça suffit les conneries. Merde. Il est là. Putain, pourvu que ce soit pas encore des ghouls. Mais non, c'est pas des ghouls. Penses-tu? Vous savez quoi, on va y aller franco. Merde, je suis enfermé dans la voiture. Quoique. Ça sent l'embuscade à plein nez. Dans le cul, lui. Où est-il? Viens par là, petit vermisseau. Il y a des bombes qui sautent de partout. C'est quoi ça? Ok, il y a une porte là ou c'est moi? Non, c'est moi. Hop. Ok, naze. Oh Nick, tu me fous les boules des fois, je te jure. Yo. Ok. Je vois de la lumière là-bas. Et il y a l'autre trou du cul qui est là-haut qui doit me chercher aussi. What? Bon, pourquoi pas. Alors moi je vois deux bâtiments par là, donc on va plutôt aller par là. Cet endroit me dit quelque chose aussi d'ailleurs. On va ranger notre arme longue distance entre guillemets. On va sauter notre gun. Ah oui, je me rappelle de ce trou. Je crois qu'on est pas seul. Ok, donc elles vont venir. Oh putain! Oh nom de Dieu, elle m'a fui les boules! Boum! J'aurais arrêté de repousser le calibrage de mes systèmes de détection. Il y a quelque chose. Ah tiens, on va regarder qui est là. Ah!
Ok. Bouffe ça. Quoi? Aïe. Littéralement. Hop, il va me falloir un Radaway par contre, chers amis. Radaway. Ici, et un Radix pour la forme. Je teste prendre du Radix, mais écoutez. What? Mais qu'est-ce que tu fous dans la maison? Kenigou! Je veux vraiment que ce soit la dernière gueule que tu vois. What the fuck? Bouffe ça! Hop! Putain! Bienvenue dans vos derniers instants. Pas très subtil de votre part. Ok. Hey. Et tu vas crever, oui? Vous commencez à devenir copains. Phew! Bon, niveau 36, me semble-t-il. On avait dit qu'on les mettrait dans quoi? Dans capacité de port de. De choses, ouais, c'est ça. Peut-être pas tout de suite. Peut-être pas tout de suite. Je sais pas trop dans quoi d'autre la mettre en fait. Ouais. On avait pas dit de mettre un point dans l'armurier au passage. Si, potentiellement, mais bon, pas intéressant pour l'instant. Hop, on augmente un petit peu. Notre capacité de transporter des armes. What? Il y a autre chose en face? Touché. Ok, on y va. On progresse. Nos munitions, on a pris un gros coup dans le nez quand même. Hein. Ce n'est pas un bâtiment. Ça m'inquiète tout ça quand même. On va se gaver de radiation si on traîne dans le coin. Oh le camion! Oh, il y a de la lumière là-dedans. Intéressant. Oh! Puis-je entrer? Merci. Ok. Un café. Ok. Là, on a un bâtiment. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il y a? Hop les. Une balle, un mort. Cela me semble être un bâtiment intéressant. Voyons voir si on peut en trouver l'entrée. Il est quand même drôlement blindé le bâtiment, hein. Ça devrait pas être long. Oh putain! Reflex! Heureusement que j'ai une balle à mort il y a une seconde. Pas de porte. Ah! Nous y voilà! Monseigneur Plaza! Oh, ça me dit quelque chose ça! C'est pas le bâtiment qui est buggé? Oh putain! Un protectron de police. Hein? C'est dans ta tête. Hop, terminal novice. D'accord, bon bah écoute.
Bones, non. Shady, non. Dregs, non plus. Bon, bah, pour l'instant, c'est un échec. Hein. Ah. Lux, j'y suis. C'est bon. Commande de protectron. Activez unité. Yo l'ami. Protectron au rapport. Par contre, tu fais trop sombre là-dedans pour ne pas utiliser la lumière. C'était quoi ça? Il y a quelque chose dans les parages. Aïe! Y'a quelqu'un? Hé, hey, qui est là? Au travail. Non, ok. On joue à cache-cache. Hop, par-dessus ton épaule. Oula! Fais pas chier! Vas-y! Non mais où? Il en reste plus. Ok, cool le bout d'armure. Oh là là, je sens qu'il y a beaucoup plus de choses à trouver là-dedans que prévu. Pardon. Heureusement qu'il n'accepte pas les menaces. Hein. Enfin, heureusement qu'il exécute personne sur le prix d'une menace en fait. Ok. Rien. Ok, ça c'est bon. Ça c'est Canigou. Là on n'y trouve rien. Hop. Alors une fois qu'on aura plus ou moins des nettoyé la zone, je pense que j'irai. Pardon. Ah, on l'a bouclé une seconde. J'ai entendu quelque chose. Tu deviens parano. Y'a rien ici. Hein? J'entends quelque chose. C'est dans ta tête. Oh, I'll be home for Christmas. Absolument prendre l'ascenseur, vous êtes sérieux? Bon, j'en ai rien à foutre là. Ok, yo. J'ai dû prendre un mauvais coup. Je crois que j'hallucine. Ouh. J'aime cet endroit. C'est missile. Oups, je prends. Qu'est-ce que c'est? Cartouche, je prends. Hop, hop. Balance. Désamorcé, effectivement. Il y avait un certain risque. Personne? Vous êtes sûr? Ok, on y va. Quelqu'un approche. Donc elle était balèze celle-là. Hop. Ben, ça nous rajeunit pas. Hop. Allez, bougez votre cul. Oh, faudrait mieux de me coller encore plus, tiens, pour la peine. Piégé. Il y avait un fil au sol. C'était pute. Pas bête. Mais pute.
Oula, je me bouffe des rades. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, c'est plutôt si ça. Cambridge déverrouillé, expert. Non, j'ai pas d'intérêt à aller par là. Non, il restait des mecs tout à l'heure. Mais cassez-vous, putain, il m'empêche de passer l'escalier. Bande de nazes. Bon bah j'ai un ascenseur à prendre, chers amis. Vu que j'ai pas le choix. Qui est là? Personne. Ou ton pire cauchemar, ça dépend comment tu veux le voir. Ah, c'est rien ça. De quoi? Lequel? J'ai l'impression d'entendre des pas tout le temps en ce moment. Ok. Montez. Quatrième étage. Je dois devenir dingue. Un. Cambridge? C'est à moi, Minus. Ils sont là, quelque part. You. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Monsieur Andy? Mieux fait de filer. Fais pas peur. Pin, 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 pin. Hop les. Bah alors? On assume ou pas? Bon, moi je voulais voir ce qu'il y avait là-dedans. Tais-toi. Alors. Un jukebox cassé, vraiment dommage. Ok. D'accord, y a Nick qui est en bas, qui a pas encore compris. Il y a des chiottes improvisées. Ouais. Bon, je m'attendais un petit peu à mieux quand même, hein. Alors maintenant qu'on en sort, je vais quand même aller faire une petite recherche pour voir si c'était bien le bon bâtiment au cas où, hein. De toute façon maintenant le mal est fait entre guillemets, hein. Alors. Est-ce qu'on a des problèmes pour en sortir? Non. Donc je vais faire un test. Heureux, chers amis. Alors il semblerait que ça a été fixe, donc fixé, résolu. Bref, le mot que vous souhaitez employer. Est-ce qu'on a quelque chose en hauteur? Non, apparemment non. Le bâtiment le plus proche est le moins, donc le non connu, donc il est par là. D'accord. Oui, je retrouve à peu près l'endroit où on était tout à l'heure. Ça c'est intéressant. Enfin, suffisamment intéressant pour être remarqué, mais on ne peut pas aller là-bas. D'accord. Kenigou a sauté, le pauvre. Moi aussi. Hop. Sauf que moi, j'ai une armure qui résiste à ça. Enfin, un bonus qui fait que j'y résiste. Est-ce que je peux, par exemple... D'accord. Bien mieux comme ça. Bon. Salut les mecs. Kenigou qui m'ouvre la porte, comme c'est gentil. Là, il semblerait qu'il y ait un bâtiment. Pas moyen d'ouvrir d'ici. Ça folle aussi. Oui, ça me dit quelque chose, cet endroit. Effectivement. Mais oui. On y a été. Ok, donc on a un bâtiment juste à côté, c'est cool. De quoi? On se calme. Je viens en paix. Du calme. Main en l'air. Quoi? Mais pourquoi je pouvais pas le pacifier à cette distance? Faut que je sois plus proche que ça? What? Ok, vous avez vu tous ces témoins d'un bug graphique. Au moins maintenant nous savons où aller. Ah, j'ai toujours pas réussi à sauter. J'ai chu misérablement. Ok, c'est pas grave, hein, ça valait pas les entrepôts de chantier. Ça pourrait être intéressant, ça aussi. Mais d'abord, il y a les trous du cul. Combien j'ai de cocktails Molotov? 12, ça tombe bien. Yo les filles. Fini de jouer. On va s'éclater. Pas un geste. Pas moyen.
J'ai dit pas un geste. Kenny Cook essaie de trapper la balle. Quand je dis pas un geste, on va prendre ça. Tu ne me fais pas chier. Dégage, putain ! On se calme, tête de nœud. C'est une blague. Alors ? Qu'est-ce que vous me voulez ? Non mais oh. Hey, je vais te faire la peau. Tiens, tiens, regardez qui est là. Pas un geste. On s'en sort. Tu me diras, vu ce que je fais à ceux qui survivent. Soyons honnêtes. Tout ce qu'ils avaient. Dommage. Bon. Qu'est-ce que c'était que ce bâtiment ? Antenne région du Battal. Ouais, ça m'intéresse pas des masses. Et par là, qu'est-ce qu'on a ? On a un drôle de symbole, c'est pour ça que ça m'intrigue. Putain ! Alors, la tête, où c'est que c'est coulé ? Pourquoi je peux pas ? Parce que j'ai pas assez. J'arrive pas avant de voir le blanc de leurs yeux globuleux. Ok, vous avez vu les gars qui m'a fait ? Oh. Nick ? Bon sang. Je vais rendre service à tout le monde. Tiens, regarde. Ah, j'ai morflé. Bon travail. Ok. Sale bête. Next. Bla. On devrait pas être lent. Hop. On commençait à devenir copains. On y va. Non, c'est par là. Drôle de symbole, drôle de symbole. On y va. Ça aurait presque pu être joli. Hein. Pas l'usine, mais le reste aurait pu être joli. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Attention, un monument ? Des tiques ? Oh non ! Ciao ! C'est tout. Elle était si solide que ça ou ? Mais sur quoi tu tires ? Ah oh, putain. Qu'est-ce qui est bon? Elle se barre? Bonjour. Voilà. Elle a quand même réussi à m'en couler une. Hein. C'est pas comme si c'était possible. Elle m'avait bouffé une petite voiture en plus. L'ampoule. Peut-être arrêter de sprinter à tout va, c'est peut-être pas la meilleure des idées que j'ai eues. C'est quand même un petit peu nul que le sprint bouffe du PA. Bon, surtout qu'il en bouffe autant en fait. Apparemment ça va avec le pont. Pont Tucker Memorial, d'accord. Kenigou qui déclenche des explosions. Alors il y a un truc du cul qui a marché sur la mine, ce qui a déclenché le carburant au sol et l'explosion des deux véhicules. Merci. Sincèrement, merci. Ok, et il n'y avait rien en plus sur ce pont, juste un gros piège en fait, c'est ça? Je présume que c'est ça. Oh là là, il y a un point que vous n'avez pas découvert. Allez-y. Oui, on y va. Boum. Et t'as pas l'air d'un con. Enfin bon. Alors. C'est marrant, ça me fait penser, le trou en fait me fait penser qu'on n'a pas trouvé plus de munitions pour le pistolet alien. Donc j'avais bien raison.
Alors, c'est quoi le machin là-bas avec le... le petit symbole. Ce serait bien le port ou l'entrepôt. Ok, on rentre dans la zone. Yo! Il va y avoir une... Non mais oh! Hey! Excuse-moi Kanigou, j'embête. Hop! Je suis pas fan de ce qui a plus de pattes que de neurones. Oui, je peux facilement te comprendre. Il en reste plus. Ok. Ah, ça va chier. C'était quoi ça? Tic, mais putain, ils sont solides. Donnez-moi tout ce que vous pouvez pas porter. Ok. Fallait pas que je lui parle à Nick, au fait. Si, c'est bon, c'est fait. Je suis con. C'est Kellogg qui m'avait répondu. Nick? Oui, bonjour, c'est Kellogg. What? Je sens que je vais devoir sacrifier Nick cependant. Chantier naval. Eh bien écoutez, on y va. On va aller voir ça. Os de main gauche. D'accord. Peinture jaune. Globe. Radeway, ça c'est cool. Vous pouvez vous barrer de ma route, s'il vous plaît. Hop. J'ai pas entendu une corde se tendre. Ah ! Ce manque de chance ! Ouais. Quelqu'un qui a parlé, on est d'accord. J'avais pas vu, bien joué. Je crois qu'on n'est pas seul. Mais il tombe du plafond ou quoi? Ok. T'as un copain dans le coin? On ne pince pas les jambes de Rory. Oh, il y a une malade avec des fongeux. Oh, je le sens gros comme un camion. On a eu une malade avec les super mutants, maintenant on a une malade avec des fongeux. Comme ouais, il faut déverrouiller maître. Où êtes-vous? C'est quoi ça? Plus personne maintenant. Ok. Il y en a un qui est un peu plus bas. Il y a donc une malade avec des fongeux, c'est génial. Terminal de Rory, vous voyez? Alors, terminal de Rory utilisé. Système d'annonce. Non, uniquement des messages positifs pour mes fongeux. Activez les annonces. Ah, je suis full. C'était la main d'écorcheur en trop. Pendant j'ai vu que j'avais des armes qui me servaient à rien.
Donc autant les virer. Donc elle élève sans doute des... Maintenant, fini de rire. Ménage est fait. Des fongeuses solides en plus, hein. Soyons honnêtes. C'est pas des petits fongeux moisis. Ok. Y'a plus qu'à retrouver Rory. Que j'imagine être dans la soute, bizarrement. Y'a que les méchants qui mangent de la viande, des petits fongeux. Je ne sais pas trop comment m'y rendre, à vrai dire. Bon. Bah écoutez, ça s'ouvre pas ça? Non. C'est très bizarre tout ça. Attention, les fangeux en maraude. En maraude, ça j'en sais rien. Quelqu'un approche. C'est tout. Ok, je teste ces foutus œufs de fangeux. Ça va. Ok. Forcément. À l'avenir, évitez de nous sous-estimer. Oh la vache. Le moindre coup qu'il m'a mis, ça m'a fait quand même vachement mal. Ok, elle est où? Parce qu'elle est pas en bas. Il doit y avoir un quelconque cadavre. De bouillonner mon liquide de refroidissement. Non, bois pas de l'eau, mais qu'il est con. Plus 3 rats, tu me diras, c'est pas gigantesque non plus. Et une saloperie de moins, une. La voie a l'air libre. Ok, bah on roule alors. Y'a pas de Rory dans le coin pourtant. C'est dommage ça. Tu me diras, si elle était dans le coin, j'aurais peut-être pas le droit de voler tout ce qu'elle a. Peut-être que je me trompe, hein. Peut-être que je me trompe. Bon. Du scotch, parfait. Ok. Oh, des steam packs aussi sûrement là-dedans. Ouais. Bon bah écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom dont vous pouvez trouver le lien dans la manière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Attention, on sort. Ah oui, n'hésitez pas à cliquer dans le script de l'épisode dans mon partenaire gamesplanet.com. Je crois que j'ai déjà dit, je sais plus. J'ai tourné beaucoup de vidéos aujourd'hui. Hein. Hop, c'est parti. Et à demain pour un nouvel épisode de Fallout.